Bonjour à tous et bienvenue à bord. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la préparation préliminaire du cockpit. Comme vous pouvez le constater, l'appareil est déjà sous tension. Quelques écrans sont allumés. L'appareil est dit dans un état sécurisé. Il a été laissé ainsi par le précédent équipage. Il faut savoir que dans la majorité des cas, le poste de pilotage n'est que très rarement en cold and dark. Avant de nous asseoir à notre place, jetons un œil sur le panneau supérieur. Nous voici sur le panneau supérieur dédié à la maintenance. Vérifiez que l'ensemble des caches interrupteurs soit rabattu. Testons maintenant le bon fonctionnement du CVR. Ce dispositif permet d'enregistrer les conversations au sein du cockpit. Pour cela, appuyez sur le bouton vert pour faire un enregistrement. Lorsque cet enregistrement a été mené avec succès, appuyez sur le bouton rouge pour effacer. Poursuivons les vérifications avec le panneau coupe-circuit. Assurez-vous que tous les coupes-circuits soient enfoncés dans le panneau supérieur. Ceci étant fait, allons nous asseoir à notre place. Procédez aux premières vérifications élémentaires de sécurité. Assurez-vous que le levier du train d'atterrissage soit en position basse, que le cache alternate gear soit rabattu. Maintenant, vérifiez les éléments suivants. Que le levier sélecteur de volet soit sur up, la manette des gaz au ralenti, le levier des aérofreins sur down, que les leviers fuel control left and right soient sur cutoff. Vérifiez également que le dispositif alternatif de déploiement de volet ne soit pas armé, que le cache soit rabattu et que le sélecteur soit sur off. Jetez un œil à présent sur le panneau supérieur. Dans le coin supérieur gauche, le bouton ADIRU doit porter la mention OFF. Appuyez dessus pour le basculer en mode ON. Si le switch est en position ON à votre arrivée, basculez sur OFF et attendez 30 secondes. Puis, basculez-le sur ON. Redescendons maintenant et regardons les messages de l'ICAS. À ce stade du vol, tous ces messages sont normaux. Si un vous paraît suspect, consultez le QRH ou contactez la maintenance. En haut à droite, sur le panneau de sélection d'affichage, choisissez ENG ou Engine. Regardez maintenant l'écran inférieur MFD. Vérifiez la quantité d'huile MOTA. Actuellement, celle-ci est de 26. Ceci est amplement suffisant pour le vol. À présent, appuyez sur le bouton STAT pour statut. Vérifiez que la pression d'oxygène soit à 1850 PSI, que l'inscription TKS en blanc soit en bas à gauche. Vérifiez également la quantité de fluide hydraulique pour les systèmes gauche, centre et droit. Sur les trois circuits hydrauliques, la pression actuellement est très basse, environ 50 PSI. Ceci est normal, les circuits hydrauliques sont dépressurisés à ce stade du vol. Vérifions maintenant les équipements de première nécessité. Confirmez la présence de la hache, puis de l'extincteur. Celui-ci doit être révisé et opérationnel. Ces deux éléments doivent être à leur place et solidement arrimés. Vérifiez la présence de la corde d'évacuation cockpit, celle de gauche, puis celle de droite. Confirmez la présence de couverture de survie derrière les deux sièges. Une fois ceci réalisé, nous pouvons retourner à notre place. Plus tard, dans la préparation au sol, nous réaliserons une visite extérieure. Si vous souhaitez vérifier le niveau d'usure des freins, relevez le levier de frein de parc. La préparation préliminaire du cockpit est maintenant terminée. Lors de la prochaine vidéo, nous nous retrouverons dehors, au pied de l'appareil, pour faire la visite pré-vol.